Avec combattants de YouTube, on est sur un événement avec plus de 500 joueurs et on est en plein dans le combat parce que j'ai oublié d'enregistrer le premier round. Gauche, gauche, là, ok, on va tenir le point A. Le point C où on est, pardon, vous répartissez, vous tenez les embouchures. Et on tient, on évite de prendre des tirs des ennemis. On tient la position. Faut se répartir aussi à droite, faites des murs de bouclier à tous les endroits, ne prenez pas de flèches des ennemis qui sont sur le toit d'en face. Laissez les gens rentrer, laissez les gens rentrer sur la gauche, voilà. Répartissez-vous sur la droite, on a besoin de monde. Ne vous mettez pas à des endroits où il n'y a pas d'embouchure, genre. On a besoin du monde à droite, voilà. Ok, je crois que nos alliés sont en train d'attaquer sur la gauche. On va y aller. Ok, toute la... Ouais. Toute la ligne qui est sur la gauche, là. Ok. Tous ceux qui sont... En face de moi là, vous restez ici, la petite ligne qu'il y a là, tous ceux qui sont dans l'embouchure, vous chargez tout droit là, allez-y. Et allez aider les copains, vous appuyez sur Alt, vous voyez tous les pseudos, vous bourrez là-bas. Tous les autres vous restez ici, tous ceux qui sont à droite et la petite ligne qui était devant moi, vous restez là. Allez-y, chargez bon dieu, chargez. Les combattants dans la ligne là. La gauche, là, tous ceux qui sont devant moi là, je suis en train de lever mon épée, allez-y, chargez dans cette direction là. Allez aider les potes, putain je me suis fait tuer. Ok, vous êtes en train de vous faire flanquer sur la droite, la ligne de droite. Allez-y, bourrez tout droit jusqu'aux archers, allez-y. Laissez votre flanc droit, le flanc arrière. Allez-y, faites régner la mort. Et après vous rejoignez. Est-ce qu'il y a un admin qui est là? Redfield, t'es encore en vie? Ah non, il y a Damara. Damara, t'es en vie? Ça dépend, si je gagne ou pas. Pourquoi? Ok, bah tu peux reprendre le contrôle de la ligne quoi. Regardez-moi ça, quoi. Ça marche. Regardez ce bordel. Bref, là, vous restez ensemble, vous jouez en équipe et vous tuez le plus d'ennemis possible. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est un bordel. Incroyable à quel point c'est beau. La plupart des ennemis sont sur le point B. Pour info, c'est peut-être un petit peu de la triche, mais bon, je suis sûr que tout le monde le fait, y a pas de souci. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça sur Bannerlands. C'est vrai que c'est très très stylé. Très bonne idée en fait cette map pour le coup. Ça change de d'habitude. Tiens, je suis mort. Pour le côté brouillon, c'est un peu plus galère. Ok, Redfield, envie? Il me reste un PV, je pense que je vais très bientôt crever. Y a pas un autre orga du combat? S'il y a un orga du combat qui est dans le vocal, là, n'hésite pas à demander la parole. Comme ça, je te la filerai et puis tu pourras gérer quoi. Mais bon, n'hésite pas à lancer des calls Redfield. Hein. Parce que moi je me sens mal de commander tout le. De commander toute la ligne en étant en vue du dessus alors que bon, c'est un peu de la triche quoi. On n'est pas sur un Total War. Mais bon après c'est un full random et tout. C'est ultra stylé, c'est incroyablement stylé. J'ai installé le jeu sur PS4 et comment tu le dis j'adore ce jeu. Tout à fait. Bien que je reçois beaucoup de messages qui me demandent est-ce qu'on peut venir aux événements et tout. Malheureusement non, il n'y a pas de serveur privé sur console je crois. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est mort quoi. Vous pouvez pas rejoindre. Mais vous avez tout le solo et vous avez quand même un multijoueur assez cool en solo. Mais la grosse dingue, ce qu'est le multijoueur, c'est-à-dire les serveurs privés et les mods, vous avez pas. Désolé. 300 contre 274. On est sur un délire avec presque 600 joueurs. On a éclaté le record de la dernière fois. C'est juste incroyable et ça marche super bien. Tailwords, ils ont fait un patch aujourd'hui. Ils ont travaillé toute la nuit, enfin ils ont travaillé jusqu'à très tard la nuit apparemment. Alors que ils font des semaines classiques normalement, hein. Les vendredis soirs normalement c'est week-end. Là ils savaient qu'il allait y avoir cet événement organisé par la communauté ce soir. Ils ont fait l'effort. Faut aller prendre le flag là. Arrête tout sur le flaxé, parce que ils vont gagner au flag mais ils sont beaucoup moins. Percez la ligne. Passez au travers, bouclier, levez et vous avancez. Vous êtes sur nombre, vous êtes comme une machine, vous pouvez les pousser. Ok, ça marche, c'est bon. Prenez flag, ok. Et du coup, ils ont travaillé jusqu'à très tard hier soir pour nous faire un patch aujourd'hui qui permet d'améliorer la stabilité. En tout cas, je pense. Ils nous ont pas donné le détail de ce que ça améliorait. Mais en tout cas, nous, en tant que combattants, j'ai envoyé des messages pour qu'ils règlent un bug en particulier qui m'empêchait, moi, de vous host des serveurs Captain Mode avec beaucoup de troupes et donc... pour moi, c'est toujours ça que j'ai voulu host. D'abord, à la sortie du jeu, je voulais vous host des serveurs Captain Mode, donc des serveurs où chaque joueur a
une formation d'IA et qui se bat contre d'autres joueurs qui ont d'autres formations d'IA et c'est du 6v6. Et bah moi dans le jeu de base t'as 10-15 troupes, c'est dommage. Moi je voulais qu'on ait chacun 200 troupes, 100 troupes, vous voyez. Et il y avait un bug qui empêchait de faire ça. Le bug a été réglé. Maintenant on peut donc faire ces serveurs privés qui vont arriver bientôt là. Moi je m'occupais de ce soir là, mais dans la semaine prochaine ces serveurs là tourneront. Continuer toujours pareil hein, les mêmes classes combattants se rejoignent au même endroit qu'avant. Donc là il y a ça qui est réglé. Le fait qu'on puisse jouer en PVC, le mode Players vs Commanders que vous allez voir tout à l'heure à 22h, qui est incroyable, fait par Biako et Stazen, deux combattants de la communauté qui sont des héros. Un grand merci à eux. Et donc Tail Wars a réglé le souci qui nous empêchait de faire des événements grâce à ce mode. C'est bon. Et on a un autre mode de jeu que j'ai publié sur Twitter. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir. Follow là-bas. Ceux qui sont sur Twitch, ils savent. Ah désolé, il faut un peu, il faut. Hein. J'ai du mal à avoir des follows sur Twitch, sur Twitter, hein, je veux dire. C'est la dèche. Hein. Allez, je suis en train de former la ligne, former devant moi. Ici, combattant. Voilà, double colonne. Allez, on y va. Parce que Twitter, c'est l'endroit où les marques vous contactent et tout, donc... Allez, follow sur Twitter et puis en même temps, vous verrez des trucs sympas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, après, il y a plein de randoms qui se mettent dans la ligne, du coup. Mais attention, on va y aller. Attention, 3, 2... Attendez, je donne... cool, Stan... Go... Au... centre... Oh, leur cave! Attention... Cave... Left... Attention, formez la ligne, formez un mur de bouclier, défendez-vous contre cette cave-là. Battez-vous. Attendez, couleur et leur pas après, mais on... On va, voilà. Mais après, on va y aller, on va déplacer la ligne, on va aller dans la forteresse, on sera mieux. 3, 2, 1, suivez-moi, on y va. Alors, j'ai mon épée à deux mains, on y va. Ouais. Qui demande pour pouvoir filmer, est-ce qu'il faut un mode spécifique RTS? Non, c'est... non, mais il y a Benjo qui est en train de filmer et tout. Pour utiliser le RTS dans le multi, il faut mettre le dossier. Alors pour le RTS caméra, c'est pas possible sur cet événement, il faut juste retirer la HUD et... Formez la ligne à ma droite là, ceux qui sont là avec moi. Et écartez la ligne, écartez. Premier million de bouclier. On y va. Vous êtes prêts? On va charger, on est plus que. C'est parti, on y va! Chargé! Pour la personne qui doit... enfin, Malik, si tu veux filmer, vas-y. Il suffit de se mettre en spectateur. Une fois que... Enfin, se mettre dans une équipe une fois qu'on est mort. Ça permet de filmer. Et il faut aller dans la console et taper la commande UI.toggleUI. Voilà, et ça va enlever la HUD. Du coup, Benjo, si tu m'entends, tu peux faire pareil. Le RTS caméra dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça sera pour tout à l'heure. C'est incroyable, combattant. Est-ce que c'est la première soirée où on va faire des all-in à chaque fois et on va... Non ! Les TK ! Les TK, combattant, non ! Au moment où je vous envoyais des fleurs, vous m'avez... Vous m'avez trahi ! Non ! Allez, concentrez-vous, on est 50 de plus là. C'est super. On est un petit peu plus que les autres au début du round, donc ça peut aider. Mais les autres fois, on était plus que les autres, on se faisait des homés. Hein, donc bon, en soi, plutôt pas mal. Bien joué, combattant. Jouons en équipe. Là, on est tous sur B, on a l'avantage, mais de l'autre côté, les ennemis sont en plus grand nombre. N'hésitez pas à prendre le flag A, comme ça forcera les ennemis à venir à nous. Alors que là, ils ont le flag C, ils vont peut-être gagner au moral et tout. Donc, il faut se battre. Il faut se battre sur A. Le point B, il est à nous, tranquille. Faites attention sur C, ça peut être un peu problématique pour vous si vous passez devant, quoi. Vous allez prendre des tirs. Oh, c'est stylé, hein. Wow. Les serveurs dépassent toutes mes attentes, vraiment, en termes de nombre de joueurs. Moi, je me disais, putain, Bannerlord avec des mods et tout, quand on sera 250 sur les serveurs, là, ça va être monstrueux. On est 600, ça tient. Sans broncher. Un peu moins de 600. En vrai, un move à faire là, en mode full cancer, c'est aller sur les serveurs publics et dites rejoignez le serveur avec 600 joueurs. S'il y a des combattants qui m'entendent et qui sont morts, genre. Si vous êtes mort et que vous êtes dans la game,
Bah elle va commencer, elle va reprendre dans 5 minutes quoi. Si vous êtes 3 minutes, faites les cancers, allez sur les serveurs publics, vous dites rejoignez, come join, there is a 100 player server, come join us. Et voilà quoi. De quoi pardon, j'ai pas entendu. 1000. J'ai dit quoi? 100? 100. Ah pardon. 1000. on dit tellement peu 1000 que... Je finis de manger, j'arrive. Ramenez-vous! Ramenez-vous, combattants! Tous... Là, on est 471 sur live. Il y en a au moins 200 qui ont le jeu sur Steam. Ramenez-vous! On est 150 sur le Discord des combattants. Là. Allez! Ramenez-vous! Objectif, faire péter le serveur et en plus, on s'éclate. Oh, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Allez, on va essayer de caster un petit peu. Bah, c'est un peu tard du coup, mais... J'ai vu que les jaunes, ils ont essayé de faire une fuite. Ils ont essayé de flank sur la gauche et puis ils se sont fait choper quoi. Ils se sont fait dégommer. Très stylé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner facilement? Encore une fois. En vrai, attaquer par le centre, c'est pas le meilleur délire. Next round. Infantry. Je prépare mon message. Je prépare mon petit message de plaisir. Beaucoup de français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de français dans le chat. Alors combattants, ne spammez pas trop le chat non plus, sinon ça va bousiller un petit peu l'orga et tout. Et voilà. Donc surtout. Ne flamez pas et ne mettez pas des conneries dans le chat. Et juste parler de manière générale. Bon, évitez parce qu'après c'est difficile de voir les messages des admins et tout. Mais bon, communauté française très présente pour le coup. Ça fait plaisir. On va... Il est où le dernier là? Faut le slay, hein. Oh là non! Oh, j'ai donné le... Oh la cata! Oh non, c'est fini! On change de map. Oh. Merci pour le raid avec 5 viewers. Bienvenue à tous. Ce soir, on fait un événement de fou. Vous arrivez pour une dinguerie. Une dinguerie absolue. Oh, incroyable. On va voter pour... Attendez. Moi, je dirais la même map que la semaine dernière. Non, à gauche, les falaises de Dakar. Ah ouais, ça va être bien. Nickel. Et... Allez, nous, on va jouer RP. Azeraï. Non, Kuzaid, pardon. Kuzaid. Tout le monde Kuzaid. Ça va être marrant, il va y avoir des archers montés, on va tous... ça va faire un dawa. Non, c'est marrant. Je suis pas trop de cette équipe. Je ne mange pas de ce pain-là d'habitude, mais je me dis que ça va être marrant. En tout cas, si on voulait du bordel, on en a. Ça, c'est sûr. Et on va aller en Kuzaid. Allez, équipe de gauche. Oula. Tout le monde en a archer monté. Il y a 30 minutes de warm-up. Je pense qu'il a peut-être l'outil pour lancer plus tôt. Ah, peut-être. Server reset. Il va relancer le serveur. Quoi? Il va relancer parce qu'il a pas les bonnes factions? Qu'est-ce que... Il aime pas... Il a pas aimé le choix que vous avez. Par contre, ça lag plus pour moi maintenant que... avant. Genre là ça commence à être galère là. Je suis 30 fps moi. Ouais. Il semblerait que 600 ça commence à être ça commence à être complexe quoi. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais. Je suis à 23 fps. Config chaud. Framerate 1. Non, pas 0. Ah bah le serveur a coupé. Ouais. Voilà. C'est normal. Quittez tous. Simple question, c'est le mode qui m'a viré les bannières dans les réglages ou c'est moi qui ai un souci? Que moi j'ai plus de bannières depuis que j'ai mis à jour mon mode. Mais tu l'as... T'as regardé dans tes options si t'as mis les bannières? Bah ouais.
Ça m'a... Et t'as mis un 100% et t'as plus les bannières. Que dalle. On referait une vérité. Bah, je sais pas si Bilako a fait un ajout à ce niveau. Mais... Alors là, on est sur les serveurs qui vont galérer à charger, j'ai l'impression. Vous voyez les serveurs, vous? Ah non, franchement, ça marche bien. Comparé à d'habitude, en tout cas. Hop, on va mettre test. Ah, ça y est, il est up le serveur. Road to 1000. Ça va être cool. En tout cas, j'ai 200 FPS dans le menu. Hein. Stop, c'est top. Ça marche bien. Tous les combattants qui sont sur live, venez sur le Discord des combattants, le lien est dans le chat. Rejoignez-nous et venez sur le jeu surtout. Oh putain, vous aussi ça met longtemps à charger ou... Oui. Je sais pas si c'est une histoire de... Ouais bon, soyez patients. Ah, on est sur un... En même temps, s'il y a 600 personnes qui essaient de le rejoindre. Ouais, vas-y, c'est vrai. c'est vrai ce que tu dis. ça fait beaucoup. Hein. Le lobby est en PLS. Ouais, bah, il était déjà... Il était énormément plus en PLS avec juste 200 joueurs la dernière fois. Enfin, il y a genre un mois. Et depuis qu'avec la communauté, bah, on pousse pour que ces événements arrivent en multijoueur avec le plus de joueurs possible et tout. Eh bien, on se retrouve avec un lobby qui marche mieux, mais bon. Ah là, il a jamais eu à accueillir une charge comme ça, donc c'est normal qu'il y ait des soucis. Et les devs font de leur mieux pour améliorer ça. Et comme on l'a vu sur le serveur, il y avait plein de développeurs de Tale Wars, alors qu'on est un samedi soir, encore une fois, vraiment, les mecs se donnent, quoi. Et voilà, quoi, c'est trop cool. Ça va être amélioré par la suite, je pense. Ouais, là, j'ai réussi à rejoindre le serveur. Hop. Ah, bon, bah, je vais vous l'en dire comme on était à gauche. Il a changé les factions. Quel dommage. So calm. Un mec qui dit tellement calme. Le calme avant la tempête. ça va être sympa. Je vais attendre la fin du warm-up et je relance la VOD YouTube, on se retrouve tout de suite. Allez, tout le monde dans l'équipe équipe Vlandienne combattant, et vous prenez Sergent. Tout le monde en Sergent, pas d'arme à deux mains. Si vous avez une couronne, j'espère que vous l'avez virée. Même si là, il y a beaucoup de random et que du coup, il y aura forcément des dégâts avec une couronne. Prenez pas d'arme à deux mains, c'est un peu mon signe distinctif pour que vous puissiez me voir. Une couronne et épée à deux mains. Du coup, tout le monde Vlandien, Sergent, et on est parti. Maintenant, re-YouTube. Désolé, j'étais en train de parler et tout. Combien de devs? 1, 2. C'est la cherche au Pokémon. Et 2. 3. Putain, ça, je scroll, ça ne s'arrête jamais. Faites pas de clic gauche quand vous spawnez, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? 4. Ah non, je pense que c'était le même avant. Bon, tant pis. Alors, on se rejoint sur la droite. Droite, il y a un petit arbre. On va aller un peu plus loin que l'arbre et on va se former. Je suis en train de lever mon épée, former une double colonne derrière moi. On y va. Et voilà, double colonne, on avance. Allez, on y va. Hein. Vous faites pas de TK. Hein. Ah, je suis monté. Saloperie. Ah, c'était une mauvaise idée. Ah, je regrette déjà. Oh, attention, levez votre bouclier en avançant. C'est honteux. Je crois qu'on va faire une escouade de cavalerie pour empêcher ça. Ok, on continue, combattant. Lâchez votre bouclier. C'était une mauvaise idée, je crois. C'était vraiment une mauvaise idée. Avec tous les randoms et tout. Ok, on va aller former une formation en cercle du côté de B. Suivez bien mon placement. Suivez bien. Quand je dis halt, vous arrêtez. Suivez bien. Attention. Halt. Et vous formez en cercle.
Former en cercle, regarder à l'extérieur. Combler cercle, combler cercle. Ok. Et on tient les deux points. Hold. B. And C. Et ça va passer, ça va rentrer dans le cercle. Ok. Si vous voyez qu'il y a des cavaliers un peu solo qui passent, n'hésitez pas à sortir avec votre lance et pas vouloir mettre un coup dans le cheval. Mais gardez la structure de la formation, quoi. Oh, les archers montés, Kouzaïd, c'est un enfer. Un véritable enfer. Y a pas d'autre mot. On va jouer le flag, très clairement. Et on tient. Il y a un moment où on se remettra en ligne hein, et tout, donc préparez-vous à ça. Enfin, on va se resserrer parce que là, ils peuvent passer des flèches. Resserrez-vous. Resserrez le cercle. Resserrez-le. Voilà. On prendra moins de flèches comme ça. Alors pas trop, on va éviter de rentrer en Harlem Shake. Et lorsque je vous dis de reprendre votre formation, vous la reprenez, ok? La première ligne, soyez fort. Appuyez tous sur la touche moins de votre clavier. Ça vous permettra de dézoomer. Et vous pouvez appuyer sur la touche plus tard si vous préférez jouer en plus zoomé. Et là, ça va vous permettre de mieux voir. Ah, ils arrivent. Ils ont pas d'infanterie, rien, ils ont que de la cave. Hein. Allez, tous ceux qui sont dans la formation, vous les tuez là. Non, il a réussi à se barrer. Attention, hein, jouez bien avec vos lances. Évitez les TK. Oh, il y a nos potes qui se sont fait défoncer. J'avais pas vu. Attendez, on va attendre. On va attendre la formation du FAG, tant pis, même si on l'a perdu l'autre, je l'ai vu beaucoup trop tard. Pardon. On attend. Et on voit. Défendez-vous là. Écartez un petit peu la formation. Un tout petit peu. Empêchez-les. Ok, on garde la formation et on avance vers C en marchant, ok? On y va, go! Non, on y va en courant et on se défend. Dispersez-vous et bloquez-les, empêchez-les de courir autour. Allez. On les bloque, on les tue. Et avancez tous vers C. Et après, on va faire une formation sur C. Allez, on y va. Attention derrière vous, une fois que vous montez, là, ils ont commencé à faire des charges et ils arrivent par derrière. Allez, une fois que vous êtes sur C, vous formez un cercle. Ok, on va faire un mur de bouclier qui bloque chaque entrée. Donc un déjà vers la descente. Allez, alignez-vous. Faites une ligne sur moi, je suis au milieu de la descente. Alignez-vous là-dessus, faites une ligne de un mec. Un mec, une seule. Allez, alignez-vous. On fait une ligne ici. Je suis en train de sauter et élever mon épée à deux mains. Allez. Faites attention sur les flancs. Ils vont te tirer dans le dos. Il y a les archers ennemis à gauche. Formez un mur de bouclier sur la gauche aussi. Il faut des murs de bouclier dans tous les coins. Ouais, non, ils vont nous tirer dessus partout. Oh, quel enfer. Oui. Allez, chargez. Sur la gauche, il y a beaucoup d'infanterie ennemie. Allez-y, chargez tous. Chargez tous à gauche. On y va. Et on va chercher les cavaliers. Ah, il nous faut un régiment entier d'arbalétriers là. Allez, bah t'es où? On peut l'avoir, on peut les avoir. On a rééquilibré là, Sur le point C, on recharge sur le point C. Il y a la porte devant le point C dans laquelle on peut faire une défense et c'est l'endroit safe un peu. Et on a nos arrières qui sont safe. Rassemblez-vous là-dedans. Attendez, rassemblez-vous, n'allez pas sur le point C, on se rassemble tous à la porte. Allez, ensemble. Non, putain, je suis mort, allez, on va faire une charge, vous pouvez prendre les chevaux et puis tous les défoncer. Attendez, ils sont tous devant, là. Allez-y, go, chargez, tuez-les tous. Juste, vous faites attention à ce que vos arrières restent safe. Ah, c'est compliqué, hein.
Putain, sûr, il y a de la cavalerie à droite et à gauche. Ah, les archers montés, de toute façon, là, on a fait. On va faire. Je reviens. Je vais faire un call. Je vais faire un call. Ça va bien se passer. Je reviens. Ok, les gars, il va falloir prendre l'arbalétrier. Il va falloir dégommer ces cavaliers. Ça vous va? Ok. Ok. Et je vous envoie un peu de monde. Il nous faut plus de monde que ça en arbalétrier. Allez. Enfin, vraiment, restez collés à nous. Notre but, ça va être de vous défendre. Et on va faire la même chose qu'avant, là. Défendre C et B. À la limite, on va se mettre que sur C, je pense. À voir. C'est l'endroit le plus facile à défendre. On va se mettre que sur C et on go. Et après, une fois qu'il y a un flag, on ira se positionner dessus. Et les arbalétriers doivent défoncer leur cavalerie. Let's go, on fait ça. Re, les gars. Alors, il y a 40 personnes qui sont dans événement 2. Il nous en faut une dizaine en plus, combattants. Il faut qu'ils soient 50. Et il faut passer en arbalétrier lorsque vous passez dans l'autre équipe. Ok ? Vous allez là-bas pour jouer à arbalétrier si vous voulez jouer à arbalétrier. Et les autres, vous prenez tous des lances en sergent et armure améliorée. Picture time type. Alors attendez, il faut prendre une photo par contre. Merde. Merde, c'est terrible. Ouais, parce qu'il est déjà tard. Hein. Attends, je vais leur dire dans le truc. Les gens veulent, je suppose, ouais. Les gars, photo. Du coup, on tue personne. Tapez tous C. Go, go C. Ah non, B, il a dit B, il a dit B. Ah non, ils ont dit... Ah non, group at B. Il y en a un qui a dit A et l'autre qui a dit B. Et tous C. En vrai, le mieux, ça aurait été devant la forteresse, faire une belle photo, mais... ah, quoique, bof. Bah, C, c'est la forteresse. Attention, sortez votre bouclier et vous tuez pas. Ils ont dit rencontrer tout le monde à C. Ok, on va assez, tout le monde assez. Ah, y'en a beaucoup qui comprennent pas. Ouais. Spammez Do Not Kill dans le chat pendant que vous avancez, vous appuyez sur Entrée lorsque vous avancez, et vous spammez rien. Désolé ceux qui meurent, à parler en mode random, mais c'est comme ça. Défendez-vous derrière, attention. Enfin, juste ne frappez pas, juste soyez défensifs avec votre bouclier. Ok, on va faire une ligne, à droite et à gauche. Je lève mon épée là, pas plus de personnes en avant que ça. Moi, je dirais les arbalétriers accroupis devant. Mais... faire ça. Ils sont où tous les Kuzaïtes là? Et tous les cas. Cave okay, ils sont at à the back. Archers in the front. Allez-y tous les arbalétriers, tous accroupis les arbalétriers. Infanterie tous debout. Y'a que les Vlandiens, bordel. Je crois qu'en fait c'est que des random. Ah ou alors ils arrivent. Je sais pas. Ou ils écoutent pas. Levez bien votre bouclier, hein. Même les arbalétriers. Tirez pas, what the fuck? À la limite, les arbalétriers, mettez-vous à couvert parce que là, c'est full débilos, ça. Ils sont débiles, ils sont. Ah, ça me casse les couilles. Ah bon. C'est ça, hein. Quand tu joues avec 600 joueurs, c'est un peu débile, quoi. Regardez tous les randoms en archer monté quoi. Là à mon avis ça banne fort. Hein. Y'a Dark qui a dit en team qu'il faut crush ces bâtards quand ils sont proches. On se pense qu'on va les tuer. Ouais mais après ça va devenir full everyone là donc vraiment. Oh là là c'est dommage. Et faire la photo là.
tout cas, ouais, espacez-vous pour qu'il y ait aucune cavalerie qui passe à droite et à gauche. Hein. Espacez-vous, formez vraiment une ligne d'infanterie. Hein. Mais du coup, les mecs ils répostent avec les arbalètes aussi, arrêtez de tirer. Bon, bon, écoute, combattant, la photo, je crois, on va l'abandonner. Hein. Écoutez, c'est la photo hollandienne. Ouais. Combattant, vous êtes prêts? Charge! On va les calmer. Ils veulent pas prendre photo. On va leur faire, on va leur refaire le portrait. Attention à la cavalerie et tout. Objectif, former un cercle sur A, faites attention, défendez nos arbalétriers derrière. Ralentissez le mouvement, l'infanterie là. Sauf ceux qui sont devant, il faut aller capturer le flag. Il faut défendre nos arbalétriers. On va former un cercle sur le point A. Oh là, c'est dégueulasse. Espacez-moi ce cercle. Et tous ceux qui ont des lances, là, n'hésitez pas à vous répartir et à défoncer les cavaliers parce que là, si on reste juste en cercle. Il faut qu'il y ait un cercle pour défendre les arbalétriers. Ah, mais les arbalétriers sont tous morts là. Ah, personne les a défendus. Allez, dispersez-vous et tuez-les là, juste. Utilisez vos lances et tout. De combattants en vie, non? Après, c'est vrai que tenir un cercle sur le point, ça marche. Hein. Ça marche pour gagner, c'est vrai que. Aïe. La patience est mère de vertu. Non, j'avoue que. Allez, je rejoins. J'ai plus qu'un PV. Attention, tournez-vous vers les archers plutôt. Là, vous allez prendre des tirs dans la tête. Laissez-moi passer. Ouais. Voilà. En tout cas, bon, un round quand même stylé, malgré la catastrophe. Hein. Allez, les temps des photos, ça sera pour... ça sera pour quand ce sera un event complètement organisé sans random, quoi. Je crois qu'en fait, tous les clans se sont mis en Vlandia, donc... potentiellement, ça peut être le souci. En vrai, on va aller les charger, non? Je sais pas, il me dit qu'on est 15 de plus. Ils sont tous en face de nous, c'est que des archers. Allez go, non? Attendez, formez la ligne, ligne en face d'eux. Hop là, je suis devant de la ligne, là, je suis en train de sauter. À ma droite et à ma gauche, allez. Attention, on va y aller. Chargez, tout droit. Faites attention derrière s'il y a 2-3 lancers qui peuvent se mettre. Je vais me mettre à l'arrière pour défendre contre les cavaliers, moi. J'ai plus de V de toute façon. Allez-y. Oh. Attention derrière, il y a 2-3 cavaliers. Je pense, ouais, c'est ça. C'est l'équipe de clan. L'équipe de clan est côté. J'arrive à rien. Benjo, mets-toi à la manette. Et voilà, tu seras mieux pour filmer là. Et après, c'est ce que je t'ai dit pendant le clip. Ouais, mais là ils sont 10. Hein. C'est terminado, c'est gagné. On est quand même parti de tout là-haut. Hein. Et puis après, on est arrivé là. J'ai pas les cadavres illimités, j'ai l'impression, parce que là. Ils ont désactivé, je crois, non? Je sais pas. Tarek vient de dire qu'il manque 2 joueurs pour qu'on soit 600. Oh.
Juste deux joueurs. Combattant, deux joueurs. Deux joueurs pour exploser le 600. La barre symbolique. Rejoignez. Oh là là, est-ce qu'on fait full cancer cavalerie après? Oui. Non, parce que là ils ont gavé hein. Oui. Full cavalerie. Écoute, dites voix dans ta tête, oui. Vas-y, sinon on spam full cave hein. Comme à chaque fois on, oui. On impose un peu le truc. Attendez, attendez. En face, on le fait, nous. We'll say that Vandaar is the best faction ever. Voilà. 600, on est 600? Non. Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Siege. Allez, full cave, c'est parti. On spam? Ensemble, combattant? Allez, full cave. C'est parti, faut spammer full cave. On va faire péter le serveur. Hop là. Je reviens. Full cave. Spammer full cave, les gars. Full. On va les calmer. Ah, je vais demander aux autres de venir avec nous, je pense. Pour le coup, pour la grande charge. Venez avec nous dans l'autre channel, les gars. Ouais, bon, pour full cave. J'ai eu peur de pas avoir lancé la VOD YouTube, j'ai eu peur de vous avoir... Il y a tellement de trucs à gérer en même temps. Du coup, Tark a confirmé le full cave. Ok. Glandia, stay at spawn. On va faire une ligne sur l'arrière du spawn, ok combattant? Et puis les Kuzaites, ils se démerderont. Vient de gueuler 600. Allez, sur l'arrière, là, il y a une petite hauteur, on forme une ligne là-bas. Ah, bien joué, combattant, c'est sur cette charge de cave qu'on va faire 600. Sur l'arrière. Attention, je lève ma lance, formez sur moi. Ici, ligne ici. Hop. Je suis en train de cabrer sur l'arrière. Voilà, comment c'est, ceux qui me voient autour, là, voilà. Faites gaffe au fin de map. Voilà, c'est bien. Formé. On peut pas dépasser la fin de map. Incroyable. On les attend. Ça lag, hein. Ça lag. Là, on sent que c'est la limite un peu. En termes de joueurs. Je crois qu'on va envoyer une charge. Hein. Dès qu'on envoie un dépasser, attendez. Attendez. Il y en a un. Il y en a quelques-uns. Ça arrive. Il y en a plein à droite. Combattant, chargez pour Vlandia. Oh, le dawa absolu. Oula. Il y a quelques rollbacks là quand même. Oui. Ouais. Faites de la lance couchée en évitant des TK. Le serveur il est pas content. Ah, ils ont fait une ligne à leur spawn. Chargez leur ligne à leur spawn. On va se prendre une contre-charge depuis leur spawn là. C'est mon perso qui s'entend tout seul. C'est un délire. C'est... Je charge dans les mecs en se coucher, ça fait rien. Je crois qu'on a trouvé la limite. Ouais, je pense que... En tout cas, en cavalerie et tout... Full cave, ouais. Ah, parce que là, ça fait 1200 ouais. Entités à gérer en termes d'IA et de... sans compter, là. Donc là... Les traînées sur le serveur, quand tu prends de la distance, c'est une boîte de nuit. Ouais. C'est fou. Oh, lui. Putain. J'arrive à en avoir. Je passe à travers des chevaux. Il y a des chevaux, ils sont arrêtés, je passe au travers. Tiens. J'arrive à rien. La plus grande charge de cavalerie jamais faite sur un jeu vidéo, je pense. Hein. En multijoueur en tout cas.
sur un vrai jeu vidéo en tout cas. Même dans l'histoire, 600 cavaliers, c'est beaucoup, hein. Bon, bah j'aurais cassé un bouclier, quoi. Moi, je serais mort... J'aurais fait 36 de dégâts, voilà. Oh dommage. Ça commence à être plus jouable. Y'a un délire. 23 FPS, un délire. C'est quelque chose, hein. Non, je crois que l'event ça va arrêter, il y en a qui demandent siège, mais en vrai il a pas été fixe. Bon. Tard que tout à l'heure a bien répondu que siège c'est sûr que ça crache. Ouais. Bah en vrai à voir, bah nous on a notre event à partir de 22 là, on devrait y aller quand on termine ce round là, normalement on switch mais... Mais bon. S'ils font un petit siège, ils font un petit siège quoi. Oh j'ai fait un kill. Enfin. Ouh. Il va prendre un cheval direct. Oh, j'allais faire un duel ultra stylé. Ça y est, on m'a dit qu'on ne parle pas dans le chat pour dire ce genre de choses. Gare à tes fesses. Gare au fion. Ouais, en vrai, vous faites de la merde, vous faites de la merde dans un chat et vous êtes sur un événement des combattants, vous êtes banni, les gars. Au cas où. J'ai pas vu les messages, mais. Non, c'était pas. Il disait juste, tiens, vous voyez, on gagne maintenant qu'on a des armes égales à les taquiner, mais. Non, mais oui, bah, bon, c'est pas les gens sont, vu que les gens sont susceptibles. Ça n'a aucun intérêt, hein, absolument. Faut vraiment pas faire ça, parce qu'après. Bon, bah, on a gagné, hein. Et après, là, on était avec les autres clans aussi qui ont joué Vlandien, hein, donc bon. Tout était en notre faveur, je pense. Oui, c'était clan contre... Clan contre random, j'ai l'impression. Random, c'est-à-dire enfin, paysans... Il y avait des clans en face, hein, mais... Mais oh, le petit... Les BRE étaient avec nous. Ah bah voilà, voilà, déjà, voilà, terminé. Oui, tous les Français de notre côté. 14e BRE. Semaine pro. Ouais, je sais pas, semaine pro, ça va peut-être tout péter, quoi. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là, ça dépend, sauf s'il lance un call siège. À voir. Cool Stan, si t'as des infos ou quoi. Y'a rien mais... Mettez-vous en full infanterie pour voir juste au cas où quoi. Je pense qu'il va juste laisser tourner le serveur. Laisser le serveur tourner à partir de maintenant. C'est terminé. Semaine pro 750. Exactement. Non mais formidable hein. Ouais, y'a trop de caves et tout. Ultra stylé. Bon bah voilà combattant. On aura fait ça. Mais il y a des gens qui demandent le siège. J'avoue que s'il y a un siège, go le faire quoi. Pourquoi ces gens qui TK comme des débilos ça. Allez on va spammer le GG je crois. Hein. Allez go GG. C'est la terminado. C'était bien marrant. Et ensuite on va passer du coup à notre événement PVE avec un mode exclusif pour les combattants. J'espère que vous l'avez installé. Si vous avez rejoint l'événement en cours et que vous ne savez pas de quoi je parle, les informations sont dans événement info pour l'installer. Et bah YouTube ce sera dans la prochaine VOD. J'espère que ça vous a plu. 500... Combien on était? 600 600 joueurs. Monstrueux. 600 confirmé par Tark. Hein. Ouais 600, j'ai vu. Et puis lui il a le nombre exact donc... quand il dit 600 c'est que 600. Trop bien. Vraiment, bon, avec la cave, on a vu que ça full laguer pas trop jouable. Mais. Je pense en normal. Infanterie. 600, voire 700, ça peut se faire. Ouais. 700 avec que infanterie pour moi et archer. Ouais. Il y a peut-être bien moyen, donc peut-être que la semaine prochaine, on se repointera pour essayer de faire encore plus. Hein.
pas ce que vous en pensez. On verra, on vous tient au courant. En tout cas, semaine prochaine, normalement, on réitère. Hein. Et peut-être 700. On va voir. Ce serait bien de trouver la limite, même si on arrive à un stade où ça devient injouable la semaine prochaine. Comme ça, on pourra organiser des événements avec ces limites. Et surtout, Intel Wars, ils sont vraiment dans une optique de... Ils sont très attentifs à ces événements. Et s'ils sont capables d'opter le truc grâce à... Bah là, ils ont des statistiques, quoi. Ils voient ce qui se passe, ils voient comment le serveur réagit. Et s'ils trouvent des points d'optimisation auxquels ils n'avaient pas pensé et qu'ils voient que c'est un problème pour ces événements-là, et ben ils vont pouvoir améliorer et potentiellement, la prochaine fois, 600, ça passe nickel. On verra. On sait pas, on verra. En tout cas, ça soutient la communauté, on s'amuse bien, c'est formidable, donc je pense que la semaine prochaine, on y retourne. Et donc, voilà, des bisous YouTube, pouce bleu, commentaire, comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir, c'est grave cool. Et on se retrouve au prochain combat. Ciao.